Bonjour tout le monde, il y a quelques semaines j'ai rencontré Jean-François Dufour, le directeur éditorial des éditions Issen Manga. L'occasion, pendant une bonne heure et demie d'interview, de discuter de son catalogue, des futurs projets, de petites annonces qui vous allez voir sont disséminées de ci, de là dans toute la vidéo. Il y a pas mal de choses au sujet de titres qui ont été annoncés, mais comment ils vont être conçus ou comment ils ont été pensés, etc. Vous allez voir, il y a plein d'annonces donc. Ne zappez pas la vidéo, n'allez pas d'une question à l'autre qui vous intéresse. Vous allez voir, il y a pas mal de fois où en fait, Jean-François, je lui pose une question, mais en fait, il s'épanche pas mal, et en fait, bah, il répond à des futures questions que je voulais lui poser, donc bah, je ne les ai pas reposées. Donc, regardez tout en entier. Malheureusement, bah, vu que l'interview a duré très longtemps, bah, à la fin, j'avais plus de batterie, donc la dernière question, il reste une minute ou deux où il n'y a pas d'image, mais de toute façon, c'est ce genre de vidéo où vous n'avez pas forcément besoin de voir la personne pendant une heure et demie, vous mettez ça en tâche de fond, vous faites un truc à côté, vous dessinez. Vous jouez à la PlayStation, voilà, faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'interviewer pendant 1h30, 2h. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Dufour, je suis donc l'un des cofondateurs de Issen Manga. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours avant Issen jusqu'à la création de Issen Manga? Alors moi j'ai un parcours de fan de Goldorak, hein, puisque je suis né dans les années 70, et j'ai grandi avec le manga, l'animation surtout, puisqu'on a commencé par les dessins animés à la télévision, alors que ce soit Recrea 2, j'avais Canal+ aussi, donc c'est comme ça que j'ai découvert Cobra par exemple à l'époque. J'ai tout de suite accroché, adoré ça, j'étais aussi un grand lecteur de BD et de comics. Et puis quand le manga est arrivé un peu plus concrètement en France, avec Akira, avec Dragon Ball en kiosque, moi j'ai continué là-dessus. J'ai fait des études d'informatique, mais en parallèle j'avais aussi une association avec des amis où on éditait des fanzines sur l'animation, le manga japonais, et puis de plus en plus la culture japonaise en général. En parallèle de mes études, je faisais donc ces fanzines-là, et en parallèle de mon travail, parce qu'une fois que j'ai été diplômé en informatique, j'ai commencé à travailler chez Capgemini, et mes amis, on a créé à l'époque une convention d'animation, enfin on a repris une convention d'animation à l'EPITA qu'on a développée et qui est devenue Japan Expo par la suite. Et au fur et à mesure du temps, cette passion a pris de plus en plus de place. En 2002, j'ai eu la chance de pouvoir être embauché par monsieur Yves Huchez, qui dirigeait à l'époque IDP Home Video. Il avait édité déjà Capitaine Flamme, XOR, Tom Sawyer, Ulysse 31, tous ces titres-là qui étaient vraiment ma jeunesse. Et du coup, il cherchait quelqu'un pour l'aider à la direction de collection, pour notamment cette période où c'était le début du DVD à fond, en fait, au final, parce qu'il avait surtout fait son succès avec les cassettes vidéo. Et au passage au DVD, ça devenait plus compliqué, parce qu'il fallait faire de l'autoring, chercher des bonus, etc. Et puis, il voulait aussi se lancer dans l'idée d'avoir des titres qui ne soient pas que nostalgie, donc il cherchait quelqu'un qui s'y connaisse. On avait collaboré au travers de Japan Expo, et il m'embauche sur IDP comme son bras droit, et donc je vais m'occuper à la fois de négocier les droits au Japon, travailler avec les studios pour la remasterisation, pour l'autoring des DVD, avec les sous-titreurs pour les traductions, avec les studios pour le doublage, enfin voilà, j'ai fait un peu de tout. Ça c'est en 2002, et puis au fur et à mesure de ce parcours-là, comme il y avait chez IDP aussi une volonté d'être un peu plus globale, on avait déjà aussi, en plus du DVD, la musique qui était éditée en CD. Et en 2004, avec Thomas, on ajoute le manga, puisqu'on crée à l'époque une maison d'édition qui s'appelle Punch Comics, qui deviendra un an plus tard Taifu Comics, qui aujourd'hui est maintenant plus Ototo, on va dire. Et dans l'idée justement d'avoir un ensemble complet avec le manga, l'animé, la musique qui va avec, et de proposer une offre aux Japonais qui soit vraiment cross-média et intégrale. On veut telle licence, on aimerait faire le tout, quoi, en fait. Et en 2006, fin 2006, en fait, Monsieur Huchez, on a un petit peu marre du marché des DVD qui devient un peu plus compliqué, et il va revendre IDP Home Video et Logarithme à Déclic Images Manga Distribution.
Et à ce moment-là, bah, se pose la question de est-ce qu'on continue dans ce domaine-là ou est-ce que Japan Expo, qui avait pris de plus en plus d'ampleur, doit avoir sa chance en autonome et on se consacre à ça à partir de 2007. Et au travers de Japan Expo, bah, on développe aussi l'idée de présenter les nouveautés, mais aussi de faire découvrir un petit peu le patrimoine japonais. Et c'est de là que vient naturellement notre envie de faire venir des artistes qui ont plutôt marqué les gens comme moi qui avaient à l'époque connu les années 80, Recreate 2, Club Dorothée, etc., que uniquement les nouveautés, l'actualité, parce que c'est bien, on a la possibilité d'avoir l'auteur de Shaman King qui vient, mais on avait aussi envie d'avoir Go Nagai pour présenter Goldorak. Et donc, bah, on fait venir Go Nagai, donc une certaine actualité. Mais en 2011, il y a vraiment un déclic, c'est que quand on fait venir Madame Igarashi Yumiko, donc la dessinatrice de Candy Candy, notamment, bah, il se trouve que, il n'y a pas trop de titres disponibles et le retour des visiteurs de Japan Expo, c'est on était content de l'avoir, etc. C'est dommage qu'on n'ait pas eu des œuvres de Madame Igarashi éditées qu'on pourrait lui faire dédicacer. Et il se trouve que, bah, dans le cadre de la venue de Madame Igarashi à Japan Expo, on était en contact avec un Français qui lui servait d'agent et qui lui cherchait à vendre les droits des œuvres de Madame Igarashi en France et qu'il n'avait pas trouvé preneur. Donc en discutant avec lui et en discutant avec Karim Talbi, qui était aussi infographiste chez nous sur Japan Expo, eh ben, on décide que plus personne ne veut les sortir, on va le faire nous-mêmes et que on va créer une maison d'édition et ça devient. Alors c'est fin, on est fin 2011, fin 2012, voilà, on va prendre un certain temps pour monter tout ça puisque les premiers titres vont voir le jour qu'en 2013 au final. Mais l'idée, c'est ça, c'est bah, pour tous ces auteurs un petit peu anciens, patrimoniaux, on a envie que quand ils viennent, il y ait quand même une actualité et qu'ils ne soient pas juste connus d'un public un peu plus ancien. On a envie de les mettre sur le devant de la scène puisqu'ils font partie des gens qui ont contribué à faire du manga d'aujourd'hui ce qu'il est, puisque sans Go Nagai, sans Madame Igarashi, sans Ishinomori, sans Chiba, sans Terasawa, on n'aurait pas les Naruto, les Bleach, les Demon Slayer d'aujourd'hui. Tous ces gens-là se sont inspirés, ont puisé dans les mangas de cette époque-là, ont grandi la plupart avec ces auteurs-là. Et c'est amusant parce que sur Japan Expo, de voir les générations se rencontrer, il y a une année où il y avait Tsukasa Ojo qui était là en même temps que Hiro Mashima. Et l'un comme l'autre, ils étaient un peu embêtés, genre, mais vous êtes sûr, parce que s'il y a Monsieur Mashima, ça sert à rien que je vienne. Et puis, ah, s'il y a Monsieur Ojo, ça sert à rien que je vienne. Donc, c'était amusant de voir cette reconnaissance qu'ont les différentes générations pour le travail des autres. Et l'idée, du coup, de Issan, c'est ça, c'est de proposer une maison d'édition qui pourrait éditer ces artistes qui n'avaient pas forcément la cote auprès des grandes maisons d'édition en France, parce que. On a du Tezuka, on a un certain nombre de classiques, mais des choses tout aussi intéressantes, mais plus confidentielles, on va dire, il n'y avait personne pour les proposer. Et on concrétise vraiment le truc aussi, par exemple, quand on fait venir Ippei Kuri, qui est pour moi un illustrateur emblématique des années 70. Il a fait la renommée en partie grâce à aussi son frère Tatsu Yoshida, mais de Tatsunoko Productions, les magnifiques illustrations de Gatchaman, de Judo Boy, etc., qu'on peut connaître, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est un grand monsieur, et bah, il se trouve qu'on a la possibilité de le faire venir en France, au travers de Japan Expo. Mais on se dit, bah, c'est l'occasion de montrer ce que Isan sait faire, et de justement proposer aux fans de Monsieur Kuri d'avoir un bel objet inédit, et on sort effectivement Judo Boy Kurenai Sanshiro, qui est vraiment la concrétisation de ça, c'est que c'est un titre que vraisemblablement personne n'aurait jamais sorti si on ne l'avait pas fait. Mais voilà, quand Monsieur Coury vient en France, bah, il y a une exposition autour de ses œuvres, il y a un livre qu'il peut dédicacer, etc. Et bah, il en est ravi, parce que bon, ça n'a jamais été forcément quelque chose qu'il avait planifié, mais avoir la possibilité de voir son travail traduit, c'est le seul pays a priori au monde à l'époque où ce titre-là a été édité, et qu'en plus c'est un titre où il est effectivement très important dedans, mais il collabore avec son grand frère Tatsu Yoshida, qui est décédé
il y a fort longtemps. Donc il est tellement ravi de voir son œuvre et son travail reconnu. Et en plus, avec son grand frère, c'était vraiment un moment extraordinaire. Je me souviens encore d'après avoir été dîner avec lui, il était limite la larme aux yeux parce qu'il avait pu venir, alors que c'est quelqu'un. Au premier abord, quand on le voit, c'est un homme d'affaires, il est assez froid. Et en fait, voilà, il avait été vraiment touché par ça. Et du coup, ça, pour moi, ça avait vraiment définitivement validé le concept. Ça nous permet de sortir derrière Kamen Rider, qui est quand même un monument de la pop culture japonaise. Alors, je sais que souvent, on nous a dit, ouais, vous appelez Isan Manga. Alors, Isan, ça veut dire patrimoine en japonais. Et quand vous sortez Kamen Rider, c'est vraiment pas. L'emblème du patrimoine, parce que c'est peut-être pas le meilleur manga d'Ishinomori, mais pour ce que représente Kamen Rider au sein de la pop culture japonaise, pour moi c'était un indispensable, clairement. Et du coup, bon, en parallèle de ça, on a quand même sorti par exemple La Nouvelle Île de Trésor de Tezuka, qui, bah, là on peut pas dire autre chose que est vraiment une œuvre patrimoniale, parce que la plupart des auteurs, quand ils citent quelque chose, c'est La Nouvelle Île de Trésor de Tezuka qui est le déclencheur, et puis même dans tout ce qu'on peut voir. De recherche sur le manga au Japon, c'est vraiment un moment important de l'histoire de la bande dessinée japonaise que la sortie de La Nouvelle au Trésor. Alors on a proposé nous l'édition de 1984 parce qu'il faut savoir que Tezuka est un grand perfectionniste et que quand il a la chance, fin des années 70, de ressortir l'intégrale de ses œuvres chez Kodansha, il va reprendre et il va redessiner, redécouper, et il va... Mais tout, en fait, pas que l'île au trésor. Alors, l'île au trésor, c'est le nouvel île au trésor, c'est particulier parce qu'il va vraiment refaire quasiment toute l'œuvre. Mais même quand on voit sur Big X, sur Wonder 3, sur Captain Ken, il y a des différences assez flagrantes entre l'édition d'origine et l'édition qu'on a le droit d'éditer à l'étranger, qui est celle de Kodansha dans les années 80. Parce que, en fait, et ça, c'est Monsieur Terasawa qui nous l'a raconté le mieux. Puisqu'il était assistant de Tezuka à la fin des années 70, il était avant de se lancer dans Cobra, il était chez Tezuka Productions et Osamu Tezuka lui dit bah faut que je sorte Phoenix nouvelle version, viens, on prend les planches, on découpe les cases qui sont les plus importantes et puis toutes les cases qui sont secondaires, on les dégage et on recompose la page en ayant découpé les planches directement parce que une fois que tu as enlevé le superflu, il reste que l'essentiel et c'est le plus important et c'est ça qu'il faut garder puisqu'il faut aller droit au but. Ce qui est un fonctionnement moi, que je ne concevais pas, mais maintenant qu'on édite de plus en plus de Tezuka, je vois effectivement à quel point il a travaillé parfois sur Wonder 3. Quand je prenais l'édition d'origine, j'avais parfois 3-4 pages qui étaient résumées en une seule page parce qu'il avait condensé l'action en gardant que l'essentiel, l'histoire reste identique, mais simplement, effectivement, son découpage d'époque, qui avait certainement été fait ainsi pour pouvoir remplir son contrat de nombre de pages par semaine qu'il devait publier, etc., bah, fait que quand il le réédite plus tard, il se dit, bon, tout ça fait un peu traîner l'histoire, c'est pas forcément important. Voilà, on va réduire. Et moi, c'est un truc que je trouve extraordinaire, d'ailleurs, sur Tezuka, c'est que des fois. L'action va tellement vite que tu as à peine eu le temps de voir un personnage arriver qu'il a l'air important que 3 pages plus loin, il a disparu parce que bah, voilà, il va droit au but. Et moi, je trouve ce travail vraiment passionnant et impressionnant parce que Tezuka est extrêmement connu. Mais bah, le voir être capable d'être aussi autocritique sur son travail, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui seraient capables de dire, bon, bah, voilà, ce truc-là, il a marché. Je ne me pose plus de questions. Lui, il voulait toujours bah, améliorer ce qu'il avait fait. Et franchement, c'est une approche que j'ai trouvée extraordinaire. Donc là, j'ai été très large sur ma présentation. J'étais même très large dans la présentation de Isan Manga. Mais voilà, c'était un peu pour vous donner l'idée de comment est né le projet, comment on en est venu à faire du Isan Manga. Comment s'est passée la reprise d'Isan dans un monde après le Covid-19 et avec la crise du papier? Alors, il se trouve que avec la Covid coïncide aussi avec le départ de deux de nos associés, puisque en 2017, Étienne Barral, qui était un des associés de Issen, bah, demande à prendre du recul et nous revend ses parts. Puis en 2020, en fait, Karim Talbi, qui s'occupait de la gestion de tout ça, parce que nous,
on choisissait les titres, on travaillait avec lui, etc. Mais c'est vrai qu'on lui laissait pas mal les coups des franges. Bah lui, il part au Canada, s'installer là-bas. Donc, du coup, on se retrouve à être Sandrine, Thomas et moi, vraiment à piloter au jour le jour la société. On voit bah, effectivement les soucis qu'il y a pu y avoir sur la régularité des sorties, le format où on était sur un format qu'on voulait un petit peu. Enfin, on veut faire des éditions de prestige, mais le papier sur les premiers titres jusqu'en 2000 n'était pas forcément à la hauteur. Donc c'est vrai que à ce moment-là, moi qui suis un amoureux de la fabrication, parce que quand on travaillait chez IDP, c'est moi qui choisissais les packagings, comment on fait le carton, etc. J'adore l'objet en fait. Et du coup, bah, on prend un certain temps pour retravailler. Alors on s'était basé sur le format des Cobras en 1927 et on était parti. C'est pour ça que d'ailleurs que les Guettas Robots sont au format des Cobras. On était parti pour tout sortir à ce format-là. Mais il y a un autre point qui est non négligeable, c'est que grand format égale, bah, c'est plus coûteux, c'est plus lourd aussi, parce que les livres, plus il y a de papier, plus c'est lourd. Et puis, on a un problème qui est irrésolvable pour moi, c'est que la qualité du matériel qu'on a depuis le Japon est très variable. Et donc, c'est très grand format, c'est très exigeant en termes de qualité. Si on veut faire des grandes planches de 19 par 27, il faut qu'on ait un matériel source d'extrêmement bonne qualité. Ce qui n'est pas toujours le cas sur des titres un peu anciens, et ce qui posait problème. Donc, on est parti plutôt sur l'idée de respecter le format japonais d'origine, puisque la prépublication elle se fait au format B5 japonais, qui est un 18 par 25 grosso modo. Donc en prenant notre format 17 par 24, on savait qu'on devrait être capable de trouver des sources de qualité suffisantes pour aller avec l'ensemble de la fabrication, puisqu'on a revu le papier à ce moment-là pour avoir un vrai beau papier bien blanc, pas peu transparent, qui supporte bien la charge d'encre, etc. Des couvertures, nous on est fan du dos rond cousu puisque c'est le plus durable. Et l'idée c'était qu'effectivement bah, les gens vont acheter 30 euros un livre, mais bah, dans 6 ans ils peuvent le ressortir, il n'aura pas bougé. C'était un peu le défaut sur les premières sorties où le papier il jaunissait un petit peu, la reliure elle s'abîmait. Donc là on a travaillé avec un imprimeur plutôt des pays de l'Est, qui permet d'avoir un coût raisonnable et une qualité au top. Voilà. Et malgré tout, ça fait qu'effectivement, on sort des livres à 30 euros. Et que même en ayant changé les formats et autres, on a été amené, du coup, au lieu d'avoir fait des volumes, des doubles volumes de 400 pages, on faisait plutôt des volumes de 300 pages, mais plus grand format, puisque les premiers qu'on sort avec les magmas où les microïdes sont bah, dans ce nouveau format, on voit tout de suite, je pense, la différence en termes de rendu par rapport au précédent. On travaille sur le, comment dire, sur le pelliculage, on travaille sur les options de marquage à chaud, etc., pour vraiment faire des produits où, quand on les met dans sa bibliothèque, on a envie d'en avoir d'autres. Ça se voit là, rien qu'à la couleur du papier. Avec les premiers scans, ils étaient un peu plus jaunes, et là, c'est vrai qu'ils sont blancs de chez blanc. Ah bah le côté papier ivoire, c'est-à-dire que c'était un papier manga, je pense, on peut dire ça comme ça, avant. C'était un papier bouffant manga, un peu ivoiré, mais un peu plus épais que la production standard, qui doit être entre. Ça dépend des éditeurs, mais ils vont faire du papier 70, 90 grammes parfois. Donc nous, on était sur des choses en 110 grammes. Bon, là, sur les livres, on est quand même sur. Du 130 grammes, du 150 grammes, c'est des livres qui sont en très bonne qualité aussi parce que le papier est beaucoup plus dense. C'est-à-dire que quand on travaille sur la fabrication, on voit la blancheur du papier, on voit la transparence du papier, tous ces paramètres-là. Et donc on a cherché celui qui reste le plus agréable. Alors moi j'aime bien aussi le côté toucher. Donc il fallait qu'il soit agréable à toucher, à manipuler, qu'il reste souple parce qu'un. Mettre du carton aussi, ça sera très épais, il n'y aura pas de transparence, mais ça sera illisible. Ou alors ça fera comme les livres pour enfants, et c'était pas le but du jeu non plus. Donc voilà, on a cherché un bon compromis entre la qualité, l'épaisseur que ça génère, parce que bah, mine de rien, ils sont assez larges, nos dos, parce que bah, quand on met un papier qui est deux fois plus épais que n'importe quel autre manga, forcément, vous vous retrouvez avec
des livres qui sont plus larges. C'est des livres qui font généralement 1 kg, hein, quand même. Donc voilà. Ce qui était un autre problème qu'on n'avait pas forcément vu, c'est après quand on s'est occupé de la logistique de l'envoi en vente directe, c'était plus tout à fait la même histoire d'envoyer ces livres-là que d'envoyer les précédents qu'on faisait au format A5 et qui étaient plus légers parce qu'ils faisaient 6, 7, 800 grammes s'il y avait vraiment beaucoup de pages. Donc voilà, on est reparti là-dessus et puis on a surtout voulu essayer d'avoir un planning qui soit le plus respecté possible parce que dans les retours qu'on a eu de la communauté, c'était ça qui leur posait souvent problème. C'est bah, on sait quand vous allez sortir le 1, mais on ne sait jamais si vous sortirez le 2 et quand est-ce que vous sortirez le 2. Donc on voulait justement relancer et on a profité de la pandémie à ce moment-là pour remettre à plat plein de choses et relancer le planning de sortie SAN, les acquisitions, de manière à ce qu'il y ait une meilleure régularité et que comment dire, on contente les attentes de notre public. Après, la difficulté qu'on a parfois, c'est de savoir est-ce qu'on sort pas trop de titres parce qu'on sait que 2 livres à 30 € par mois, ça fait quand même un budget. Alors, au début d'Issan, on n'avait pas ce genre de retour parce que on sortait 4, 5, 6 titres parfois par an. Là, maintenant qu'on est à une vingtaine de titres, c'est vrai qu'il y a certains de nos lecteurs qui ont plus de mal à suivre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on varie parce qu'on s'est aperçu que les lecteurs de Terradora n'étaient pas forcément les lecteurs de Tezuka. Donc, on essaye de varier pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient à contribution. Mais on a aussi la volonté que les séries ne durent pas trop longtemps. Alors, c'est pour ça qu'on a sorti pas mal de choses en 2, 3. Alors, Big X, 4 tomes, c'était un peu la limite. Les séries comme Cobra, il faut. Enfin, voilà, on en sort 4 par an. Il faut donc 5 ans pour pouvoir tout sortir. Avec les petits problèmes de démarrage, on en a même plus que ça, parce que le premier tome, il est sorti en 2018 et que le dernier sortira l'année prochaine en 2024. 2023, pardon, 23. Je suis déjà en train de faire le planning de 2024, donc moi j'ai un peu trop d'avance. 2023. Et voilà, ça nous paraît raisonnable. Certains trouvent que ça va vite, d'autres non. Mais bon, ce n'est pas des produits qui sont à vocation non plus de disparaître. Donc les Cobras, on espère qu'ils vont durer dans le temps et que même quand il n'y aura plus de sorties, ça continuera à trouver son public. Parce qu'on a essayé de faire. Alors on parlait de mon parcours avant, et c'est vrai que. On a sorti Cobra en couleur quand on était chez Taifu Comics. Et du coup, évidemment, quand on a eu l'occasion de remonter une maison d'édition, on avait les gens de chez Terasawa qui nous connaissaient bien et qui nous disaient, vous voudriez pas refaire 2, 3 trucs, parce qu'ils avaient vu nos livres. Et on a commencé avec eux, effectivement, sur Takeru, qui avait une édition assez confidentiel, on va dire, en France. Donc, on a ressorti Takeru. Après, on nous a proposé Gundragon. On a fait Gundragon. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, effectivement, le format, ça plaît pas mal. Mais si c'était en plus Cobra, qui était pour nous vraiment un titre emblématique, quand on l'a sorti chez Taifu, ça a été 3 ans de négociation pour arriver à le sortir. Là, d'un coup, c'était beaucoup plus simple. Les gens de Black Box avaient sorti la version noir et blanc, mais ne s'intéressaient pas à la version couleur, parce que c'est un autre savoir-faire hein, aussi, quand même. Donc, du coup, on a sauté sur l'occasion. La petite particularité, c'était qu'il fallait attendre que Black Box ait fini la version noir et blanc pour sortir la version couleur, parce que les Japonais avaient peur que les gens confondent, que ça se marche les uns sur les autres. Donc, on a attendu, on a même dû attendre un peu plus que ça, parce qu'il y avait un contrat. Black Box et Girl qui faisait que voilà, il y avait un délai d'attente, donc on a été très heureux de pouvoir essayer de coupler ça avec la venue de Monsieur Terradawa en France. Malheureusement, un problème de santé, il n'est pas venu, mais du coup, on a fait l'exposition avec eux, on a sorti les premiers tomes de Cobra et on a même pu sortir les catalogues de l'exposition sur. Alors là, c'est carrément le deuxième, mais. Sur Japan Expo en 2018, et c'était génial parce que le concept du catalogue, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que notre volonté, c'est de mettre en avant des œuvres d'artistes, et si on peut aussi mettre l'artiste en avant tout seul, c'est super. Et du coup,
Monsieur Terasawa, on a une relation un petit peu particulière parce qu'effectivement, on va l'année prochaine sortir Kabuto, donc on va avoir l'intégrale de son œuvre quasiment sortie chez nous. Et on va pouvoir considérer que vraiment c'est notre auteur un petit peu, même si on n'aime pas trop s'approprier, parce que chacun sa vie, mais il nous fait confiance, il aime le résultat de notre travail. Le deuxième volume de Aux frontières de l'imagination, c'est aussi suite à ses retours, parce que sur le premier, il a trouvé ça génial, il nous a montré, ah, dommage, vous n'avez pas mis ça, ça, sympa. Oui, on ne les a pas mis, parce que vous ne nous les aviez pas donnés à l'époque. Et on se retrouve du coup avec la possibilité de refaire un autre bouquin. Et donc, bah, effectivement, pouvoir créer des relations privilégiées avec ces grands senseis, c'est quand même extraordinaire. Il y en a un certain nombre qu'on édite qui ne sont plus de ce monde, mais quand on a la chance de pouvoir encore échanger avec eux et de voir leur enthousiasme par rapport à notre travail, c'est juste génial, quoi. Tu l'as dit, tu es le cofondateur et le co-dirigeant de Japan Expo. Comment tu arrives à jongler entre ta casquette de Japan Expo et ta casquette de Isan Manga? Le fait de jongler entre Japan Expo et Issan était effectivement plus simple à l'époque où on laissait Karim s'occuper de la communication, de la représentation auprès du public, etc. Et qu'on était plus dans l'ombre à choisir les titres, s'assurer que c'était bien fait, etc. Là maintenant, bon, il y a eu une période un peu particulière parce que pendant le Covid, bah, Japan Expo, on n'avait pas le choix, on était à l'arrêt. Donc ça a été l'occasion de remettre sur pied plein de choses qu'on avait envie de voir sur Isan. Donc à cette période-là, on ne se posait pas trop de questions parce que Japan Expo, on attendait, on attendait, on attendait. Et que pour la santé mentale, on était très content d'avoir Isan Manga parce que quand vous avez un festival comme Japan Expo où on venait de fêter le 20e anniversaire, c'est notre bébé, on l'a créé, on l'a vu grandir, puis tout d'un coup, tout s'arrête. C'était assez difficile psychologiquement. Deux ou trois ans, c'est ça? Ah, bah, la dernière édition a eu lieu en 2019 et on a refait en 2022. Donc on a dû sauter 2020 et 2021. Tout en ayant une équipe à essayer de maintenir. Après, il y a des réalités économiques qui sont assez différentes parce que d'un coup, tu n'as plus de revenus, mais bon, tu peux quand même faire appel à des aides de l'État, ce qui nous a permis de maintenir les emplois. Mais c'était assez particulier. Donc à ce moment-là, en fait, Issan, c'était aussi le côté genre, ah, ouf, là au moins on avance, on sait que ça peut sortir. Les livres, en plus, pendant la période de la crise sanitaire, le marché du livre a explosé. Donc c'était bien, ça nous a donné le temps de bien tout remettre. Il y a du coup, après l'expérience fin 2021, début 2022, là où on a dû jongler effectivement entre les sorties Issan et le travail sur la reprise de Japan Expo. Ça n'a pas été de tout repos, clairement. Ça n'a pas du tout été une mince affaire, puisque bah, comment on fait alors, on a toujours fait la part, parce qu'on a toujours considéré que c'était deux activités séparées, il fallait pas qu'il y ait une mise en avant d'Issan par rapport à Kana, Glénat, Kiyun ou quoi que ce soit. C'était absolument pas le but du jeu, puis surtout, on n'était pas du tout sur le même secteur, parce qu'on était vraiment dans l'idée de publier des choses que les autres ne publient pas. Donc, on a toujours bien séparé, Issan paye son stand, Issan paye sa pub, Issan paye tout, en fait, à Japan Expo, comme les autres, voire peut-être plus cher, parce que comme on ne veut pas se faire de faveur, on se fait encore moins de remises, je pense, que certains. Et du coup, ça, c'était vraiment la séparation. Après, bah, l'idée, c'est qu'effectivement, il y avait besoin, là, cette année, d'avoir quand même des choses un peu fortes dans le retour de Japan Expo, et qu'on avait en parallèle Dynamic Heroes, qu'on avait réussi enfin à valider avec Dynamic Planning, et donc Go Nagai. Ça nous semblait quand même génial de pouvoir nous appuyer sur Goldorak. Alors il y a eu le Goldorak de Kana, si on était revenu en 2021, on aurait certainement fait quelque chose avec eux autour de cette magnifique BD. Là, bah, on a la chance que le tome 1 sorte en septembre, donc on a pu faire une belle exposition et bah, joindre nos efforts. Alors les efforts de Jean-François Hyssen avec Jean-François, Japan Expo, ça peut faire bizarre, mais il y a toute une équipe derrière Japan Expo qui a travaillé là-dessus, et moi j'étais plutôt là en tant que consultant pour leur dire attention, Dynamic Heroes, c'est plus ça que ça, donc l'ambiance comme ça, c'est mieux que ça. Voilà, dire tiens, j'ai envie d'un délire, faisons un lino avec la route numéro 7, parce que la route numéro 7 de Goldorak,
Je pense que ça va faire triper les gens quand ils vont arriver. Il y aura la statue de 2 mètres de Goldorak et puis il y aura la route comme s'ils rentraient dans le centre. Voilà, donc moi je suis arrivé plus là en consultant. Et après, en termes de temps, c'était très compliqué parce que, bah, mine de rien, il y avait pas mal de titres Issan qui étaient gourmands en temps parce que les deux Kamen Riders, Kamen Rider Amazon et Kamen Rider V3X, c'était des gens avec qui on avait travaillé à longtemps, Ishimori Productions. Et donc, du coup, les relations étaient moins instantanées qu'avec Tezuka. Et effectivement, il fallait leur réclamer du matériel, obtenir du matériel. C'était pas évident. Puis, quand on obtenait le matériel, derrière, il y avait des phases de validation qui étaient relativement longues et lourdes. Parce que sur Kamen Rider V3X, quand même, il faut voir qu'ils ont demandé à relire toutes les pages, une par une. D'habitude, dans un contrat, on va leur faire valider la couverture, la quatrième de couverture, le colophon, donc la page où il y a les copyrights et autres mentions légales, on va dire. Et puis voilà. Bah là, il fallait faire valider les 256 pages une par une. C'était intéressant parce qu'on avait beau avoir été trois à le relire, parfois, tiens, il manquait une bulle. Alors effectivement, dans la bulle, il manquait un point d'exclamation. Mais c'est mieux avec le point d'exclamation que sans. Et puis eux qui traduisaient parfois du français en Google et qui nous disaient, ça n'a pas l'air de correspondre. Si, si, faites-nous confiance. On a des traducteurs professionnels, n'ayez pas peur, faites-nous confiance. Mais c'était une logique assez différente et très gourmande en temps. C'est-à-dire que sur Kamen Rider V3X, je pense avoir eu pas loin de 7 semaines de relecture des japonais, alors qu'habitude j'ai allez, quand j'ai 5 jours c'est déjà le bout du monde parce que c'est qu'ils ont plein de trucs à faire. Mais voilà, donc là c'était long. En plus on a eu le droit à la Golden Week au milieu, et à ça se rajoutaient les problèmes d'approvisionnement de papier et autres. Donc Kamen Rider qui devait être en librairie en juillet se retrouve à sortir finalement plus tard parce qu'on n'a pas pu tenir, on n'a pas pu tenir les délais là-dessus. Et c'était assez compliqué. Mais il faut voir que dans l'idée de cumuler Issan et Japan Expo, ça a surtout réduit mes nuits. Hein, voilà, parce que moi qui suis à fond passionné par ça, effectivement, je faisais mes journées ici de 9h à 19h, je rentrais, on mangeait, on s'occupe un peu des enfants, et puis à 21h, 21h30, on s'y remet jusqu'à 2h du matin, et on fait des fois du Issan, des fois de l'administratif, ça c'est moins sympa, l'administratif, des fois on fait du Japan Expo, voilà, mais du coup, comment on fait? On enchaîne des grosses journées, et puis on essaie d'anticiper de plus en plus. Donc là, sur Issan, il y avait une stagiaire qui avait commencé chez nous en mars, non, en février même, qui nous a quand même beaucoup aidé, Thomas et moi, là-dessus. On a réussi à anticiper, donc il y avait beaucoup de produits, beaucoup de livres là, qui vont sortir sur la fin de l'année, qu'on a en fait déjà bouclé depuis quasiment le mois de février, qui attendent juste d'être envoyés à l'imprimeur pour... parce qu'on ne peut pas les stocker pendant 6 mois, pour être livré chez le distributeur. Donc c'est une question d'organisation. Mais ça, ma formation d'ingénieur informatique fait que la planification et machin, c'est mon dada. Là, on a trouvé un nouvel outil pour gérer ça, qui fait que, effectivement, on a vraiment tout qui s'enchaîne. Et quand il y a quelque chose qui est décalé, ça me permet de voir ce que ça va avoir comme conséquence. Et on a replanifié, c'est-à-dire que cette année... sur le premier planning que j'avais fait en 2022, il y avait 27 titres Issan, et qu'au final il y en aura une vingtaine, parce que il y a certains trucs qui ont pris du retard chez les Japonais. Là, il y a des titres dont je ne parlerai pas plus que ça, mais qui ont été validés par le Japon il y a plus d'un an, mais pour l'instant pas de contrat, pas de machin. Quand on les interroge, oui, oui, pas de problème, vous inquiétez pas. Bon, on s'inquiète un peu parce que faut qu'on arrive à planifier. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont compliquées, mais dans l'ensemble on est capable de d'anticiper de manière à ce que on ait quand même une vie. Et là, la reprise de Japan Expo ayant été faite, l'équipe s'étant reconstituée, je pense que l'année prochaine ça sera un peu plus vivable et que je serai pas obligé
de faire que des nuits de 6 heures, mais je pourrais dormir un peu plus, voilà. Quel manga a été le plus dur à éditer, que ce soit à cause du matériel ou des contraintes du Japon ? Alors, le manga le plus compliqué à éditer, il y en a plusieurs. On a parlé de Kamen Rider V3X, mais ça a été compliqué dans le sens où ils voulaient tout valider. Mais en termes de matériel, c'était une joie, parce qu'en fait, on a récupéré le fichier InDesign, donc tout l'assemblage du livre japonais paru chez Fukan.com. Donc en termes de récupération de matériel, c'était génial. Par contre, effectivement, en termes de validation, c'était compliqué. Le livre le plus compliqué en termes de matériel qu'on ait fait pour le moment, j'hésite. Bat, Black Knight Bat, qui a été compliqué, mais parce que j'ai voulu être très perfectionniste en allant rechercher les magazines, les Weekly Shonen Jump d'époque pour récupérer les pages dans leur couleur d'origine, etc. Les pages couleurs avec aussi la partie interview, etc. Bon, c'était pas nécessaire. Donc là, c'est un peu mon côté perfectionniste qui a compliqué le truc. Mais c'est vrai qu'il y avait différentes sources. Alors souvent, quand c'est comme ça, on se procure les différentes éditions. Donc sur un Goku, on avait les Bunko, les Tankobon qui est Deluxe de Jump, on avait les versions de chez Media Factory pour pouvoir tout comparer et proposer les différentes pages. Après, du coup, l'avantage sur Goku, c'est que en ayant tout ça, on a été capable de prendre quelques photos en disant à l'ayant droit, bonjour, on aimerait bien utiliser cette image-là. Et ils nous trouvaient la plupart du temps les sources en ayant du coup accès directement aux planches d'origine, donc c'était juste génial. Donc au final, je pense que les plus compliqués qu'on ait eu à faire, je pense que c'est le prochain, en fait. Comme je disais, parce que là, on est en train de travailler sur Blackjack, et Blackjack, il y a déjà eu 2 éditions, donc évidemment, on ne veut pas faire la 3e édition, on veut faire l'édition ultime. Là, on a été content de l'annoncer, mais Blackjack, il est arrivé en tête du sondage qu'on avait fait début 2021, ou 2020, je ne sais même plus, 2021. Début 2021, on avait fait un sondage sur notre page Facebook pour demander quels étaient les titres, les rééditions que les gens attendaient le plus. Blackjack est arrivé 2e au final, et depuis janvier 2021, on négocie pour le sortir. Les questions qu'on a eues beaucoup là aussi sur les réseaux sociaux ou même sur le salon, c'était qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, est-ce qu'il va y avoir des inédits, etc. C'est toujours en cours de discussion. On sait déjà sur Blackjack qu'on va pouvoir accéder à du matériel de très bonne qualité puisque on vient de trouver un accord avec les gens de chez Fukan.com qui ont sorti une super édition pour les 40 ans, de 40 ans, 45 ans, je ne sais plus, de Blackjack. Et du coup, on va avoir accès à tout ce matériel-là, y compris les pages couleurs, logiquement. Maintenant, la difficulté qu'il y a, c'est que il faut voir que Tezuka, quand il a refait Blackjack, certains passages, il les a refaits. Il y a certains chapitres qu'il a scellés de manière à ce qu'ils ne soient plus publiés parce qu'il les trouvait de mauvaise qualité ou inappropriée ou mal compris par le public, ces chapitres-là, on n'y a pas accès. Il y en a d'autres où c'est des chapitres qui n'ont pas été mis dans toutes les éditions, donc on essaye de les obtenir, mais c'est pas toujours chose facile. Et les gens qui sont derrière, c'est ces enfants qui veulent respecter la volonté de leur père. Donc effectivement, ils comprennent notre passion, notre envie de le faire découvrir aux Français, mais autant ils ont accepté qu'il y ait certaines choses qui soient republiées au Japon alors que leur père avait dit non, autant ils sont pas forcément prêts à ce que ça aille à l'étranger parce qu'ils ont peur qu'il y ait encore plus d'incompréhension et ils veulent pas ternir l'image de leur père au final. Et chez Tezuka Productions, l'image du manga est très importante aussi, donc effectivement tout le monde se plie à ça, mais l'idée là c'est justement de récupérer les pages couleurs quand elles ont été
Souvent, elles n'ont pas été touchées sur Blackjack, parce que Blackjack, c'est une série qu'il fait milieu des années 70. Donc, quand il y a l'intégrale Kodansha qui sort, bah, Blackjack n'est pas si vieux que ça. Donc, il n'a pas tant retouché de choses que ça. Donc, on va pouvoir avoir accès à des belles pages couleurs, des pages en bichromie et ce genre de choses. Et puis surtout, on va le publier dans l'ordre, parce que, il n'y a toujours pas d'édition française dans l'ordre d'origine de publication. Et c'est vrai que ça donne parfois des choses un peu bizarres où tout d'un coup il y a des personnages qui semblent revenir alors qu'on les a jamais vus. Bah oui, c'est parce que c'est pas dans l'ordre en fait. Donc on va pouvoir vraiment s'appliquer là-dessus. On est parti sur l'idée effectivement de sortir en 15 tomes parce qu'on voulait vraiment se coller à l'édition Foucan. J'avoue que là, ne serait-ce qu'entre le moment où on a annoncé, donc la pub pour l'annonce, on l'a fait en mai-juin. Et maintenant, ça a avancé dans les discussions, mais je ne suis pas encore fixé sur le nombre de tomes. Parce que les histoires inédites, si on les a, je ne suis pas sûr que 15 tomes, ça soit suffisant, ça va faire des gros pavés. Et même sans ces histoires-là, 15 tomes, ça fait quand même des bouquins qui vont faire 350 pages. Le Magma fait 320 pages, le Microïd aussi, et on avait un peu l'impression que c'était la limite de l'acceptable, parce que les premières versions dans Indisan, comme je disais, qui étaient en double, je les trouvais pas très agréables à lire parce que c'est trop gros. Là, en plus grand format, plus lourd, si c'est en plus avec plus de pages, les bouquins ils vont faire, je sais pas moi, 1,2 kg, 1,5 kg. J'ai un peu peur de la lisibilité du produit, et puis avec enfin, le papier, il a pris. Je sais pas, entre Magma et le dernier tome de Captain Ken, le bouquin il a pris 30% en prix d'impression. Donc si on devait faire 350 pages aujourd'hui, je ne sais pas si on est capable de les sortir à 30 euros. Et du coup, il y a l'aspect psychologique du prix sur Blackjack où on se dit bah je préférerais sortir un bouquin à 28 euros, 30 euros, qu'un bouquin à 32, 33, 35. On va pas s'en sortir, mais c'est vrai qu'actuellement le marché du livre est assez compliqué là-dessus. On parlait des problèmes de papier, c'est l'approvisionnement de papier jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en décembre 2021, les approvisionnements de papier se faisaient en 15 jours. Aujourd'hui, quand on commande le même papier, il faut compter 3 mois. 3 mois pour un papier qui coûte généralement 30% plus cher. Donc voilà. Et plus on en commande, plus c'est compliqué. Parce que sur Dynamic Heroes, où on a un tirage beaucoup plus important, on s'était dit ça va régler nos problèmes, on va passer en priorité. En fait, pas du tout. Parce que les fabricants de papier essayent de servir un peu tout le monde. Donc en commander beaucoup, au final, c'est pas un avantage parce qu'ils produisent ton papier par petits bouts de manière à ce que tu l'aimes et ça, voilà, ça rallonge beaucoup les délais de fabrication. Et donc sur Blackjack, pour l'instant, on a annoncé 15 tomes parce que c'est notre objectif. Mais il faudra qu'on prenne en compte la réalité du marché. Le premier tome, il va sortir à ce moment en premier ou deuxième trimestre 2023. Donc on verra à ce moment-là ce que ça va donner exactement. Parce que là, je parlais de 30%. J'ai commencé à faire les recherches pour les titres de fin d'année comme Mazinger et le deuxième tome de Guitare au Roger. Et on m'annonce encore 10% de plus que les 30% d'avant. Donc on en est à 35% d'augmentation en. Je sais pas, 14 mois, donc c'est complètement délirant et c'est malheureusement pas tenable pour une petite maison d'édition qui a des marges qui sont là pour juste éviter qu'on perde de l'argent et qu'on puisse sortir des nouveaux titres, pas pour qu'on se devienne riche. Donc voilà, sur Blackjack, on va faire 15 ou 17 tomes et on va surtout s'assurer d'avoir un maximum de belles choses dedans. Donc c'est pour ça qu'on veut effectivement le matériel le meilleur et si possible les quelques histoires inédites qui seraient tolérables. Longtemps attendu, la série Goranger va bientôt arriver. Vous avez aussi édité cette année 2 séries Kamen Rider et un tome de Gavan va bientôt débarquer. Est-ce que tous ces projets sont là pour créer une collection autour de super-héros et de séries tokusatsu? Bah, comme je le disais, Issan, on voulait parler du patrimoine, mais pas au sens très musée, mais plus au sens pop culture. Et pour moi, le tokusatsu, le sentai, ça fait quand même partie
intégrante de la pop culture japonaise et c'est assez peu représenté en France. On n'a pas tant de titres que ça. Alors dans les années 80, on avait Ixor, on avait Sankukai, on avait les Bioman, et puis il y a eu une espèce de folie. Puis c'est un peu tombé en désuétude et c'est vrai que on le voit même sur Japan Expo quand on fait des choses autour de ces acteurs-là, c'est pas les événements les plus importants en termes de population. Mais malgré tout, pour moi, ça fait partie des choses importantes. Et du coup, Kamen Rider, c'est emblématique. Go Ranger, c'est le début du Sentai, même si j'aurais tendance à trouver que Gatchaman a mis quand même en place beaucoup de codes là-dedans. Mais Go Ranger, c'est l'association de Ishinomori avec Toei, c'est la diffusion en même temps que l'animé, que le manga, pardon. C'est donc vraiment le début des Sentai, même si il a été réintégré a posteriori dans la série Super Sentai. Pour moi, Go Ranger, c'est celui qui débute. Et puis, j'en ai tellement entendu parler, par exemple, par Pierre Giner, qui a traduit le titre, et qui est un énorme fan de Sentai et de Tokusatsu, que forcément, Go Ranger, on avait envie de le publier. On a même essayé de publier tout Go Ranger, c'est-à-dire Imitsu Sentai Go Ranger qu'on va proposer là, mais aussi Go Ranger Gokko, qui était la déclinaison qu'a décidé de faire Ishinomori sur ce titre-là en gag manga. C'est-à-dire que, comme beaucoup, il l'avait fait sur Kamen Rider, on le voit sur Amazon, sur V3X, le manga, il sort en parallèle dans les magazines TV Land, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vraiment un truc pour appuyer la série télé au final. Et là, il avait envie de se détacher de ça et de pas être dépendant de ce qui se passait à la télé, parce que je pense que quand Go Ranger arrive, il avait déjà fait Kamen Rider, Kamen Rider Amazon, V3X, Kikaider, enfin il a fait un certain nombre de choses comme ça en coproduction. Je pense qu'il avait envie de passer à autre chose. Et puis le Sentai, le Tokusatsu, a au Japon en tout cas un public premier qui est sur les jeunes enfants au final. Et donc du coup, il a eu envie de faire une BD qui serait plus adaptée à ce public-là. Et donc c'est vrai que ça devient un gag manga avec de l'humour pipi caca qu'on reconnaît bien dans les livres pour enfants japonais souvent. Et du coup, c'était un risque de notre part, mais ça a été un non surtout de la part de Ishimori Production qui a dit non, l'image de Go Ranger, c'est ça, et puis l'image de Monsieur Ishinomori, c'est des choses plus sérieuses. Donc le gag manga, en plus, ils étaient à peu près convaincus, même si on a passé 3-4 mois à essayer de leur faire changer d'avis, ils étaient convaincus qu'on ne pouvait pas comprendre le gag manga. Et c'est vrai que quand on a fait une sélection, il y avait un certain nombre de passages qui étaient alors déjà un peu datés, et puis qui étaient plus difficiles à comprendre pour des Européens. Donc ils nous avaient demandé de faire une sélection, mais même parmi ça, ils ont dit non, ça va pas le faire. Et ils ont préféré juste qu'on se concentre sur ce qui est plus proche de l'adaptation live que ce gag manga qui aurait été amusant dans le sens où c'est quelque chose qu'on voit assez peu en France, et puis c'est une facette que Ishinomori ne renie pas pour autant. Donc c'était intéressant de montrer cette autre facette de son talent. Mais voilà, et du coup, tout ça amène surtout qu'effectivement, je pense pas qu'on va s'arrêter à Go Ranger et Amazon et V3X. Je pense pas qu'on va en refaire tout de suite non plus, parce que ça en fait beaucoup. Il y a Gavan aussi dont on parlait. Gavan, c'est assez amusant parce qu'en fait, à la base, on voulait sortir le manga qui était adapté de la série d'origine. Et il se trouve que ce manga-là, on connaît le dessinateur personnellement, qu'il était OK pour qu'on travaille avec lui. Mais il y a un flou artistique sur les droits de ces titres-là à l'époque, parce qu'en fait, le mangaka, il a ses planches. Il a fait ça sur commande pour un magazine télé. Mais les droits appartiennent à Toei, voire à Toei plus Shimori Production, des choses comme ça, selon les. Voilà, donc Toei Company sur Gavan, clair, mais ils ont pas été capables, on va dire juridiquement, de faire le lien entre Toei, le mangaka, le magazine de publication d'époque. Donc du coup, en fait, le manga d'origine de Gavan qu'on cherchait,
ça a été bloqué. Voilà. Et donc du coup, bah, à ce moment-là, j'ai dit, bah, si celui-là est bloqué, il y en a un plus récent qui a été fait pour la sortie du film, est-ce que ça c'est possible? Et là, bah, ça s'est fait en même pas un mois au final, puisque c'était quelque chose de plus récent, que Toei était ravi de pouvoir sortir du Sentai, et que Akita Shoten, qui est l'éditeur, était ravi de nous licencier ça sans avoir à gérer, puisque c'était géré par Toei. Et voilà, et on a lancé le truc, et on se retrouve avec cette belle suite de Gavan, qui en plus est mis en scène par Monsieur Fujisawa, qu'on a eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises, et qui est, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi c'est quelqu'un qui aime le Sentai, le Tokusetsu, et quand il a fait ça, c'est vraiment parce qu'il... C'était pas un travail de commande, c'était un travail qu'il faisait par passion en fait. Et donc cette suite-là, en plus, qui va être agrémentée des différentes petites fiches de présentation qu'il y avait dans le manga d'origine et autres, je pense que ça va être un beau bouquin, un beau titre qui va remettre un peu sur le devant de la scène notre shérif de l'espace préféré. Dans le même genre, vous allez bientôt éditer 1, 2, 3, 4, 5, Roku. Est-ce que c'est là pour relancer votre collection de mangas shoujo? Collection qui était très présente avec Gwendoline ou encore les œuvres de Yumiko Igarashi. Petite correction déjà sur le titre, parce que je me suis fait reprendre par les Japonais. Il y avait une petite subtilité qu'on n'avait pas vue, c'est qu'en fait le titre se veut un peu rythmique. Et du coup, le titre, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, Loku, ça doit être 1, 2, 3 et 4, 5 et Loku. Voilà, comme si c'était vraiment de la musique. Je ne sais pas encore comment on va exactement l'orthographier tout ça, parce que quand ils m'ont expliqué, j'ai fait « oui, je comprends, c'est pas facile, dites-moi comme adaptation », mais dans l'idée, voilà, c'est 1, 2, 3, et 4, 5, et Loku. et en fait, à la base, c'est surtout pour pouvoir sortir du Chiba Tetsuya, parce que moi, Ashitanujo, c'est un de mes mangas préférés, et il a fait tellement d'autres trucs à côté, et qui sont... pas sorti en France, parce que on a quelques-uns. Alors chez Vega Dupuis, ils ont le magnifique, je sais plus comment ils l'ont appelé en français, mais... de... Journal de Tetsuya Shiba. Le journal de Tetsuya Shiba, ou tout qui est en couleur et tout. Enfin, c'est, je conseille à tout le monde, c'est génial. J'adore son style, son graphisme. Et là, en fait, l'idée c'était vraiment de pouvoir sortir des œuvres de ce grand monsieur. Et du coup, on a regardé un petit peu et. Moi, ce que j'aimais bien dans 1, 2, 3 et 4, 5 et Loku, c'était le fait que c'était un grand moment dans sa carrière. C'est-à-dire que c'est le premier manga qui a une vraie reconnaissance, il gagne un prix Kodansha à l'époque, etc. Et c'est un manga qui, en termes d'histoire, correspond à ce que je voulais montrer. C'est le côté vraiment où il dépeint la vie quotidienne des Japonais, mais pas forcément à Tokyo. Dans Joe, il était plutôt dans la banlieue, dans les trucs un peu... bidonville. Voilà, bidonville, on va dire. Là, il est à la campagne, c'est la vie des Japonais comme ça. C'est montrer le quotidien d'une famille recomposée. Moi, c'est quelque chose où je le trouve extrêmement doué dans sa façon de... Enfin, dans son talent de conteur, en fait. Et donc, du coup, il est catalogué shoujo, mais moi j'ai vraiment du mal à me dire que c'est du shoujo. Si ça peut contribuer à ce que les gens se disent chouette, on relance du shoujo chez Issan, allons-y, j'ai pas de problème. Lady Gwendoline, la suite de Gwendoline, est plus dans ce sens-là notre volonté de relancer du shoujo. La difficulté sur le shoujo, c'est que la plupart des grandes autrices, auteurs de shoujo, sont toujours en contrat avec des grandes maisons d'édition. Donc, je faisais à un moment donné un interview où je disais mon admiration et mon envie de sortir du Moto Hagio, et notamment le clan de Po. Et juste le lendemain, je lisais qu'effectivement Akata et sa collection Héritage allaient le faire. Je suis très content que ça sorte en France, j'aurais préféré le sortir moi, hein, soyons clairs. Mais voilà, la difficulté, c'est qu'effectivement, derrière Moto Hagio, qu'on connaît en plus personnellement, elle est toujours sous contrat avec Shogakukan. Et si on veut sortir la moindre chose avec Shogakukan, on a un passif à régler avec eux, puisque le disciple de Doraku, qu'on nous réclame régulièrement, est un titre Shogakukan que on a un peu laissé de côté, parce que
Le titre, il a eu des difficultés, il n'a pas été bien géré par Karim à l'époque, etc. Et du coup, ça a un peu froissé Shogakukan. Donc là, ça fait 2 ans qu'on défroisse tout ça. Et justement, on va certainement pouvoir avancer là-dessus. Mais du coup, pour pouvoir accéder à d'autres auteurs, par exemple chez Shogakukan, il faut d'abord régler ça. Et les autres auteurs, on a. En shoujo, on a lutté avec nos amis de Naban sur Destination Terra, parce que c'était vraiment, enfin Terra, c'est pour moi c'est un classique absolu. Donc voilà, c'est pas nous qui avons gagné ce titre-là. J'espère que les résultats sont au rendez-vous. J'ai l'impression que Naban en est content en tout cas. Moi, j'aurais adoré sortir du Keiko Takemiya, mais voilà. Et donc du coup, c'est vrai que tous ces auteurs-là, on a plus de mal à les atteindre que certains grands monsieur qui ont, eux, souvent pris leur autonomie. Donc c'est une autre difficulté, c'est-à-dire que il n'y a pas d'agent, parfois il faut, avec Chiba, il a fallu qu'on crée comment dire, l'intermédiaire au final pour pouvoir travailler avec eux, parce que à part Shitano Joe qui est effectivement géré par Shogakukan, la plupart des autres titres sont chez personne. Donc voilà, c'est toujours un peu délicat sur ces titres-là. Et puis, ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier. C'est le premier, mais ça sera pas le dernier. Parce que sur Monsieur Chiba, on a déjà fait notre petite wish list. Donc voilà, on va pouvoir lancer, comme on l'a fait sur Tezuka ou Terasawa ou Ishinomori, on va pouvoir lancer notre collection Chiba. Et on commence par celui-là parce que pour moi, il est, comme je disais, un peu déclencheur. Il avait fait certains titres, mais c'est vraiment celui-là qui lui a amené la célébrité. Il y a d'autres trucs après qu'il a fait qu'on aura du mal à publier parce que ces séries sur le golf qui font une quarantaine de tomes ou sur le sumotori, etc. Je trouve ça génial, mais ça va pas avec la façon d'éditer de Isan. C'est des choses qui sont vouées à, quand vous avez 40 tomes, qui sont voués à avoir un format plus standard, parce qu'on n'a pas la notoriété et le marché qui va pour faire des éditions de luxe en 30 tomes, quoi. Donc on va sortir pas mal d'histoires courtes de ce début, etc., justement pour faire découvrir un peu plus son univers, parce qu'il est connu en France pour Ashita no Joe. Mais Ashita no Joe, c'est certainement sa plus grande œuvre, clairement. Mais c'est le haut de l'iceberg, qu'il y a plein d'autres choses à voir sur Chiba. Vous avez édité Takeru, Dragon Sigma, l'édition Couleur de Cobra, Black Night Bat, Midnight High Goku et bientôt Kabuto. Est-ce que c'est une volonté d'éditer un maximum la bibliographie d'un auteur dans votre catalogue? Monsieur Terasawa est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qu'on connaît depuis longtemps. Effectivement, on aurait envie d'aller jusqu'au bout de la collection pour que les passionnés de Terasawa aient la possibilité d'avoir toutes ses œuvres dans une belle édition. Alors, je sais pas, on n'a pas forcément énormément de retours, mais les retours que j'ai eus sur Goku sont très positifs. Et effectivement, pour ceux qui avaient l'ancienne édition et qui ont la nôtre maintenant, je ne pense pas qu'il y ait photo. Et l'idée, c'est qu'effectivement, lui, il a un parcours un peu atypique dans le sens où rapidement, il est devenu indépendant, en fait. Et comme il est devenu indépendant et qu'il a voulu gérer sa propre carrière, ça lui fait une carrière qui n'est certainement pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu avoir s'il était resté chez Shueisha toute sa vie. Mais par contre, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur parce qu'il avait envie de lancer ses propres projets. Quand on prend Gun Dragon, qui est donc un projet où il prend en photo des actrices et il dessine les décors, etc., qui est assez avant-gardiste, qui peut, plus pour l'époque, paraître un peu compliqué parce qu'il veut intégrer beaucoup d'ordinateurs à une époque où l'ordinateur ne fait pas encore des miracles comme aujourd'hui. Mais voilà, mais c'est quelqu'un qui avait des idées, qui avait des envies, qui a voulu réaliser ses rêves. Et en ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir proposer l'intégrale. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait les livres sur son travail et autres. Donc évidemment que une fois qu'on avait fait Goku et Bat, il fallait qu'on s'attaque à Kabuto. Et comme on nous pose souvent la question, il y a de fortes chances que les éditions en noir et blanc de Cobra finissent chez nous aussi. Vous avez édité Big X, Captain Ken, Wonder 3 et j'en passe.
qui sont des mangas d'Osamu Tezuka avec une profondeur, mais qui sont en même temps plus accessibles que d'autres titres. Est-ce que c'est un hasard ou un choix de proposer d'autres titres de l'auteur qu'on n'a pas forcément eu en France ? Bah, clairement, sur Tezuka, on a sorti la nouvelle Île au Trésor dans le côté, voilà, c'est la pierre angulaire de tout un tas de mangas modernes, donc on voulait montrer ça. Puis après, en Tezuka, on s'est aperçu qu'effectivement, ce qui existait en France, c'est beaucoup ce qu'il a fait en Seinen. Et à part Astro Boy et Le Roi Léo, il n'y avait pas énormément de titres un peu plus anciens et un peu plus shonen. Il y avait aussi Saphir, Unico, Triton. Mais il y a eu une espèce de vague en 2005, 2006, 2007 avec Asuka, avec Soleil, où ils ont sorti beaucoup de Tezuka. Et puis, plus rien. Après, si les éditeurs se sont approprié Tezuka sur son aspect très dieu du manga où on lui donne un aura extrêmement seinen, mais jusque début des années 70, Tezuka c'est avant tout du shonen et il a même longtemps pas voulu être associé au Gekiga qui pour lui n'était pas la même chose parce que lui il aimait faire de la bande dessinée qui allait faire rêver les enfants et il trouvait pas ça dégradant de s'adresser aux plus jeunes. Alors après il y a des titres qui vont être pour les 6 ans et des titres qui vont plutôt être pour les 16 ans et du coup ces titres là on parlait de Kamen Rider comme une figure de la pop culture mais à chaque fois qu'on va au Japon il y a toujours des clins d'œil à Wonder 3, à Big X, à Magma, parce que Magma a été adapté en tokusatsu à l'époque, hein, en série à effets spéciaux, et voilà, et tout ça pour moi c'était des choses où ça faisait partie de l'imagerie de la pop culture japonaise, et je trouvais dommage qu'on n'ait pas l'occasion de les voir en français, parce que je me suis toujours... Moi j'aime bien les robots géants d'un autre côté, donc ça favorise, mais j'ai toujours trouvé que Magma il avait une belle allure et je me suis toujours demandé ce qui se passait. Voilà, Big X pour moi c'était effectivement c'est le slogan qu'on a pris hein, entre Captain America et Ant-Man, mais qui devient géant avec son enfin, voilà, c'était vraiment pour moi une réponse à certains comics américains et tout ça. Big X c'est aussi. Le premier animé qu'a fait Tokyo Movie Shinsha, qui devient TMS par la suite. Et y a toute une histoire derrière ce truc-là, toute l'implication de Tezuka. Et c'est quand même un personnage ultra important dans tout l'univers, tout le star system de Tezuka. Et je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas ça. Après, il y a quelques petites perles qu'on a rajoutées, parce qu'effectivement, Microïd n'a pas tout à fait la même aura que cela, mais... ceux qui auront lu, on est entre. Enfin, il est en train de passer au Seinen parce que ces insectes qui veulent reprendre la terre aux humains parce que les humains ils en font n'importe quoi. Moi j'ai trouvé ça palpitant. Captain Ken avec sa critique de la conquête de l'Ouest et du massacre des Indiens. Voilà, ça c'est des titres qu'on a rajoutés et qui sont peut-être un petit peu moins shonen, qui sont à mi-chemin on va dire. Et qui amène aussi un style différent parce qu'on n'a jamais vu Tezuka faire du western, donc Captain Ken est là pour ça. On avait le côté Microïd, moi j'aimais bien parce qu'en plus, en sortant Microïd puis Big X, on avait le plus petit et le plus grand des héros de Tezuka. Voilà, donc c'était ça l'idée. Et comme en plus c'était c'est un auteur où il y a tellement encore de titres à sortir et où effectivement les. Ces titres-là n'ont pas l'air de trouver forcément un éditeur, on pouvait pas passer à côté. Alors après, ça ne nous empêche pas là d'avoir annoncé effectivement notre collection Osamu Tezuka Dark Anthology, où on va avoir des recueils d'histoires courtes avec des histoires beaucoup plus sombres. Là, on vient de finir de mettre en page Bomba, et l'infographiste me disait « J'ai peur du cheval maintenant. J'ai fini, j'y touche plus. » Donc effectivement, c'est des moments plus torturés. Il faut voir que Bomba, c'est un moment où en plus, il se remettait beaucoup en cause. Tezuka, il cherchait d'autres moyens de dessiner. Il vivait très mal la faillite de Mushi Productions, en fait. Et donc du coup, il avait une mauvaise passe, clairement. Et donc du coup, ça se reflète dans ses histoires. Mais voilà, c'est des histoires courtes que je suis très content d'éditer. Mais moi, ce que j'ai, sur le site, souvent,
Je parle avec des fans qui trouvent que Tezuka, ça doit être Phoenix, Tezuka, ça doit être Adolphe, etc. Oui, mais sauf que ça, il a pu le faire parce qu'il avait fait tous ces trucs-là avant, et que même si on n'est pas fan de Yumiko, de Melmo, etc., il y a énormément de choses qui ont fait que c'est grâce à ça qu'il a fait Blackjack, c'est grâce à ça qu'il a pu faire l'histoire des trois Adolphe, et se contenter de dire Tezuka, c'est ça, alors que... Il a fait énormément de choses et qu'il a lui-même cherché à faire un maximum de variété, bah, je trouve pas ça lui rendre hommage en fait. Et justement, en montrant ce qu'il a fait d'autre, l'idée c'est de montrer à quel point c'était un génie, parce qu'il est capable de faire tout type de trucs. Il fait du shonen, du shoujo, du seinen, il est capable d'inventer tellement d'histoires et de concepts différents qui parfois effectivement ont été repris. Donc quand on les lit aujourd'hui, on se dit ah oui, ça a l'air revu, sauf que pour l'époque, non, c'était pas du réchauffé, c'était vraiment de l'inédit. Et montrer justement toute la capacité de narration, de mise en scène, parce que même dans ces séries-là qui datent des années 60, il a déjà une capacité à découper les pages, etc., qui est extraordinaire, et qui va inspirer toutes les générations de mangaka aujourd'hui. Et quand on interroge des mangaka, ils sont pas tous à nous parler de... uniquement Blackjack, les trois Adolphe, etc. Ils vont vous parler de Wonder 3, c'est quelque chose qui a énormément marqué de jeunes à l'époque, que ce soit par la série télé ou par le manga. Et voilà, et donc je pense que c'est important de montrer la variété et la richesse de son œuvre. Après Cobra qui fait 17 tomes et après Blackjack qui est annoncé en 15 tomes, est-ce que c'est pour vous un signe de dire que vous êtes beaucoup plus confiant dans la publication de titres beaucoup plus longs que seulement un ou deux tomes? Cobra, ça nous a montré plusieurs choses. Un, quand le titre est bon, bah, en avoir beaucoup, c'est pas forcément un problème, parce que ça a l'avantage qu'effectivement, on a créé une routine en termes de charte graphique. Là, il faut voir qu'à chaque fois qu'on sort un titre, il faut créer un logo, il faut créer une charte graphique, etc. Alors sur les Tezuka, j'ai pris le pli de rester à peu près toujours sur les mêmes ambiances et autres. Mais mine de rien, il faut recréer l'univers à chaque fois. Moi je l'ai vu quand j'ai fait les Dynamic Heroes, où tout d'un coup j'avais des pages de garde, et que en faisant des pages de garde un peu à la Tezuka, je trouvais ça un peu triste. Et que là au final, on a fait des designs spécifiques un petit peu plus aboutis que ce qu'on a l'habitude de faire sur nos pages de garde. Et voilà, sauf que ça prend du temps. Et donc du coup, l'avantage d'une série comme Cobra, c'est que il y a effectivement une attention toujours aussi importante qu'on apporte à la qualité du lettrage, de l'orthographe, etc. Mais on n'a plus besoin de réfléchir à la charte graphique. Elle a été instaurée, au bout de 2-3, elle roule. Et donc ça a l'avantage qu'effectivement, tous les 4 mois, 3-4 mois, tu te retrouves avec un titre un peu standard, on va dire. Et donc, on s'est dit que c'était varié entre les titres courts où il faut créer l'univers et la charte graphique, et des titres comme ça où ça permet d'alléger un peu le travail par moment. Et donc, on n'est pas capable d'avoir que ça, parce que c'est à chaque fois, c'est des risques. Mais voilà, se dire qu'une fois que Cobra va être terminé, c'est Blackjack qui sera... notre régulier, c'est bien. Et peut-être qu'on verra avoir même deux séries régulières pour alterner avec les séries plus courtes, parce que ça nous permet de toucher à des titres qu'on s'autorisait peut-être pas forcément avant, effectivement. Parce qu'il y a quelques années de ça, je pense que Blackjack, on aurait dit c'est bien, mais c'est long. Mais l'expérience Cobra a vraiment fait changer notre point de vue là-dessus, et se dire que voilà, on va retrouver tous les 3 mois vraisemblablement, on va avoir un Blackjack, ça va être bien, parce que on va être dans un univers super plaisant qui va être un petit peu rodé aussi au bout de pareil, je pense qu'au bout de 2-3 volumes on va commencer à être assez stable, et du coup c'est des titres qui sont d'une certaine manière un petit peu plus facile à faire, parce qu'une fois qu'on a fait les mises en place au début, on se retrouve avec des choses plus faciles qui reviennent plus régulièrement, donc c'est bien. Et sur des titres comme Blackjack, on se dit que le risque est modéré. Après on verra, parce qu'il faut
il faut quand même tenir la distance des 15 ou 17 tomes, mais voilà. C'est de toute façon un titre qu'on avait envie de faire depuis longtemps, parce que on est tous très fans de Tezuka, mais Black Jack a une place un peu particulière. Voilà, et bah, après j'espère que on pourra proposer d'autres Tezuka aussi emblématiques que Black Jack prochainement. Mais bah, là, Astro par exemple, qui est un titre que j'aime beaucoup, comme Kana vient d'en ressortir, c'est vrai que c'est pas parti pour tout de suite, mais il y a plein d'autres titres, même ceux qui ont parfois déjà été édités comme Black Jack, qui méritent de retoucher un nouveau public, parce que j'ai été très surpris, c'est qu'en fait, bon, pour moi c'était un classique, je les ai tous, mais c'est pas forcément facile à trouver, parce que ça date, et c'était pas forcément très bien diffusé, c'était pas forcément... Pas terminé en fait, la dernière édition. Oui, la dernière édition elle est carrément pas terminée. Ah, moi je sais que sur la page, on a des fans qui ont imprimé, ils ont dû prendre la version numérique j'imagine, et ils ont réimprimé pour avoir les vrais tomes. Bon, là ils vont avoir la possibilité d'avoir des beaux livres, mais par contre effectivement 15 ou 17 tomes, c'est encore parti pour 4 ou 5 ans de publication, donc... On part avec Blackjack pour quelques années. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que le premier Blackjack, qui date de 1973, donc là, on sort l'édition 50e anniversaire, et que on va certainement faire un certain nombre de petits événements à côté pour célébrer les 50 ans de Blackjack, et Tezuka Production est bien motivé là-dessus, il est très content qu'on donne une nouvelle vie à Blackjack, parce que bon, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mais c'est vrai que la première édition d'Asuka, elle était sympa, mais elle avait quand même un certain nombre de défauts. La deuxième, elle n'est pas terminée, donc forcément, c'est un personnage qui a été un peu mal exploité, je trouve. Donc on va pouvoir lui redonner ses lettres de noblesse. Voilà. Je vais finir avec un de mes auteurs préférés que vous avez édité, Gonagai. Vous avez sorti surtout des titres de gros robots tels que Getter Robot et Getter Robot G, où il est uniquement au scénario, ainsi que Dynamic Heroes. Vous avez aussi annoncé Mazinger Z et je n'oublie pas Cutione. Mais ma question, c'est: est-ce que vous envisagez de sortir peut-être des titres plus démoniaques de l'auteur? Gonagai, c'est quelqu'un qu'on a toujours voulu éditer. On n'a peut-être pas suffisamment osé. Et donc, du coup, quand on a osé enfin rentrer en contact avec lui, c'est vrai que, bah, en fait, Black Box était passé par là. Et les Italiens de J-Pop, en fait, parce que sur les titres de Gonagai, c'était les gens de J-Pop Italie qui avaient négocié pour l'Europe et qui avaient sous-licencié à Black Box. Que ce soit les Mazinger, les Goldorak, les Devilman et compagnie, tout ça passait, en fait, par l'Italie. Et on a aussi fait un petit cours de géographie au passage, parce qu'effectivement, les gens de Dynamic Planning n'avaient pas bien compris que la France était en Europe. Donc, ils étaient prêts à nous licencier les trucs au moment où on leur a dit: mais si eux, ils ont les droits pour l'Europe, comment on fait pour avoir les droits pour la France? Parce que la France est en Europe? Oui, tout à fait. Donc, petit cours de géographie pour commencer. Et du coup, à l'époque, à avoir un peu hésité, à avoir pas osé, on voit avec eux quels sont les titres qui restent disponibles. Et effectivement, il y a Cherry Miel, Cutioni, qui pour moi est un grand bonheur et un grand classique, donc on s'empresse à le sortir. Et qui n'est pas du tout un super robot pour le coup, hein. À l'époque c'est une belle androïde, mais c'est pas un super robot. Et derrière, quand on voit le succès de Cutioni, on se dit: bah, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à sortir de Nagai qui serait disponible? Et ils nous disent: grosso modo, à peu près tout est pris. Et par contre, si vous voulez, il y a Guetta Robot. Alors moi j'ai beaucoup hésité, parce que Guetta Robot c'est un titre que j'adore. Mais je savais pas si je serais pas le seul à adorer Guetta Robot, parce que bah, moi qui ai beaucoup regardé d'animés de Super Robot, qui ai beaucoup joué à Super Robot Tyson sur différentes consoles, etc., le Guetta Robot et le Guetta Robot G sont évidemment des incontournables. Et pour moi, ils étaient en plus des robots et des histoires assez innovantes pour l'époque. Alors, pour ceux qui ont lu la première série de Guetta Robot, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans Goldorak, etc., ou ce qu'on peut voir en animé de Guetta Robot.
parce que c'est beaucoup plus sombre que dans le premier tome, on voit quasiment pas le robot, puisqu'il y a toute la partie apprentissage des pilotes, etc. Et que c'est assez gore. Tu parlais de titre démoniaque, je pense qu'au début, on voit Hayato qui arrache des yeux à coups d'ongles, etc. C'est pas tout public, hein, soyons clairs. Mais par contre, quel bonheur! Quel bonheur! Guitare Robot G devient un peu plus classique parce qu'effectivement, Guitare Robot, premier du nom, a été développé aussi avec Toei Animation pour les besoins de la série télé. Et Guitare Robot G rentre plus dans le moule de la série télé, même s'il y a énormément de chapitres qui sont pas adaptables au final parce qu'ils sont assez sombres. Et on continue de rentrer dans l'univers de Kanishikawa, qui est donc le grand compère de Go Nagai là-dessus. Et évidemment, on a envie d'en savoir plus. Donc j'espère que Guitare Robot G sera un beau succès auprès des lecteurs, parce que si c'est le cas, je pense qu'on continuera. Sur les autres œuvres de Go Nagai, on a déjà annoncé qu'on va sortir Mazinger Z pour la fin d'année, qui est le début de la trilogie des super-robots. Donc l'idée pour nous, ça serait de commencer puis d'enchaîner. Et sur les titres hors robots, on est en train de discuter avec les gens de Dynamic Planning. Mais c'est vrai que c'est quand même des titres assez sensibles qui ont déjà été édités. Donc il faut qu'on trouve une approche qui leur convienne et qui nous convienne. Donc c'est ça qui est sur la table en ce moment. La difficulté pour faire avancer des projets comme ça, c'est que depuis décembre 2019, on n'a pas pu mettre les pieds au Japon. Et qu'avec les gens de chez Dynamic Planning, le plus efficace, c'est les réunions en physique avec eux. C'est là où on avance le mieux. Et donc du coup, pour tous ces projets-là, on est un petit peu limité parce que les messages qu'on peut faire passer par mail sont pas toujours aussi... c'est pas évident à faire passer. Donc là, on a eu la chance de pouvoir avancer sur Dynamic Heroes, sur Guitare Robot et sur Mazinger. Maintenant, pour la suite, j'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra aller faire un tour sur Tokyo et les voir pour donner un grand coup en avant sur la suite des projets. Parce que moi j'ai une préférence pour la partie plutôt science-fiction, robot, etc. Mais j'avoue que effectivement, Devilman, Violent Jack, ou même tous les Shuten Doji et autres, il y a des choses intéressantes. Il y en a beaucoup qui ont déjà été éditées, donc on va essayer de plutôt voir ce qui est inédit. Même si pour l'instant, c'est vrai que sortir l'édition 50e anniversaire de Mazinger, ça nous fait beaucoup de plaisir. Elle va être remise dans l'ordre, retouchée par Ota-san sur beaucoup de planches pour que le robot il ait un look un peu plus... Le design de Mazinger dans les premiers chapitres, il est quand même assez différent de ce qu'on peut connaître dans l'anime. Là, il a fait en sorte que ce soit plus cohérent et puis plus raccord de ce que disait même Monsieur Nagai lui-même. C'est qu'effectivement, à l'époque, il n'était peut-être pas forcément capable de faire ce qu'il avait en tête. Donc là, c'est l'édition qui permet justement d'avoir quelque chose de plus proche de ce qu'il avait en tête à l'époque. Voilà. D'accord. Dernière question, ça concerne le marché du numérique. Est-ce que vous envisagez des solutions, soit en achat numérique, soit avec les plateformes telles que Manga.io qui fait de plus en plus parler de lui, ou encore Picoma qui était partenaire de Japan Expo cette année? Le manga numérique, c'est une question qu'on se pose souvent avec Thomas, parce que ça va un peu à l'encontre du concept de base où on voulait faire des beaux livres. Et donc du coup le beau livre, c'est un bel objet, c'est quelque chose qu'on a physiquement entre les mains, et du coup le numérique, c'est un petit peu l'antithèse de ce qu'on voulait faire. Malgré tout, on voit qu'il y a un certain nombre de lecteurs plus jeunes qui eux seraient intéressés de découvrir ce patrimoine du manga et qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter les livres. Donc je sais qu'on est en train de parler avec Manga.io et autres pour voir éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait proposer. La difficulté aussi, c'est que
Dans nos contrats, du coup, les droits numériques ne sont pas forcément systématiquement inclus. Quand ils sont inclus, il y a des clauses un peu particulières. Et la plupart des vieux auteurs que nous traitons n'ont pas une vraie perception de ce qu'est le numérique. Donc, ça leur est assez étranger. Donc, ça nécessite un petit peu voilà, il faut qu'on leur explique un peu plus tout ça. Il faut qu'on soit plus pédagogue avec eux sur qu'est-ce que ça donnerait, où est-ce que ça va. Et puis c'est vrai que pour l'instant, les modèles économiques sont pas non plus aussi rentables pour les Japonais que sur les livres. Donc bon, voilà, il y a tout un tas de paramètres comme ça à prendre en compte. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai du mal avec le numérique. Moi, j'aime bien avoir des vrais livres, l'objet dans la main, etc. Donc ça faisait pas partie de nos priorités, parce que avant tout, moi, l'idée, c'est de pouvoir proposer les titres qu'on a réussi à négocier en papier. Si le numérique suit, ça sera un vrai plaisir. Sinon, bah, on se contentera du papier. Ok.